Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un petit courrier de Crochette Scrap qui m'a fait une carte avec toute une enveloppe bien décorée. J'ai oublié de mettre du masking tape dessus. Et voilà sa jolie carte, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est joli! Mais qu'est-ce que c'est joli! Ah, c'est joli comme tu as fait. Vous savez, c'est du papier d'emballage que l'on a souvent dans nos colis, qu'elle a teinté avec des paillettes et découpé avec un die, et elle a découpé le même die pour mettre dessous. Mais qu'est-ce que c'est beau! Alors la bouteille étant comme ça et marquée bonne année, je suppose que ça se regarde comme ça. Plein de petits zigouguis là. J'ai mon estomac qui gargouille parce que je viens de manger, que c'est l'heure. Alors il faut qu'il digère. Je te souhaite mes meilleurs voeux pour 2021, moi aussi. Je te fais des gros bisous, Bérénice. Merci beaucoup, mais je trouve ta carte sublime. Avec une petite perle ou une attache parisienne au milieu. Mais dis donc, mais c'est joli ce que tu as fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, que je vous explique. Je ne suis pas trop sur les vidéos là en ce moment. J'ai été malade toute la semaine. Que c'est pas fini. Parce que après un problème de santé, ensuite j'ai pris une sciatique. Donc ma sciatique me fait souffrir et ben je peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas rester longtemps assise. Et ça me gonfle un peu. Parce que je suis en train de préparer ma boîte de Pâques. Et je vais vous montrer quelque chose. Je fais pause et je vais vous montrer quelque chose. Et je vais vous demander si ça vous intéresse de voir le tuto de ça. Alors c'est un petit album minuscule. Il est petit, petit, petit. Enfin il fait 20 sur 20. Hop, comme ça. Mais il a plusieurs rabats. Voilà. Il est épais de 4 cm. Voilà. Et là, j'ai pas fini de le faire. Hein. Je n'ai fait qu'un côté. Là, il y a un rabat ici. Il s'ouvre comme ça. Sur ce côté, ça se présente comme ça. Ici, il y a une pochette, un rabat dans ce sens avec un autre rabat. Voilà. Donc là, il y a un, deux. Et ici, il y a une poche pour y mettre des photos ou ce que l'on veut. Pardon. Sur ce côté, ça s'ouvre comme ça. Et comme ça. Mais ça... Ça, une poche qui s'ouvre entièrement. Voilà. Pour y mettre quelque chose dans la poche et pour y placer des photos ici. Ainsi que là, il se referme comme ça, il se referme comme ça. Au milieu, sur le dos, vous avez 4 pages pour mettre des photos. Il n'y a pas de pochette, il n'y a rien du tout. C'est 4 pages comme ça. Et de ce côté, qui n'est pas fait, il n'y a que la pose des aimants, j'allais dire des diamants, des aimants, qui est la réplique de l'autre. C'est-à-dire que vous avez les deux côtés qui sont faits pareil. Voilà. Avec un autre rabat là, la même poche ici. Voilà. Et qui se ferme comme ça avec des aimants.
C'est vrai qu'une fois qu'il y aura les papiers partout, plus les photos, les espaces, il les faudra. Voilà. Tout est calculé. Si ça vous intéresse de vous faire le tuto, je vous fais le tuto. Si ça ne vous intéresse pas, je vous le montrerai quand il sera fini, mais c'est tout. Voilà. Parce que pour l'instant, je le fais, mais j'ai pas toutes les photos. Donc, je ne le mets pas en route. Voilà, je ne me presse pas pour le faire tant que j'ai pas les photos. De plus, j'ai fait ma boîte de Pâques, mais elle n'est pas finie de décorer, je vous la montrerai plus tard. C'est pareil, si la boîte de Pâques, vous voulez le tuto, attendez, je vais la chercher, je reviens. Voilà. Ma boîte, elle est faite. En tout, elle fait une dimension de 42 cm sur 26. Il y a en tout 18 tiroirs, c'est-à-dire qu'il y en a 10 de chaque côté, comme ça, et il y en a 4 ici et là. Voilà. Donc, là, pour le faire, j'ai pris du papier 250 grammes. J'ai eu énormément de difficultés à trouver du papier jaune en 250 grammes. Impossible d'en trouver, ni sur internet, ni chez les commerçants, les marchands de papier. Ou alors, j'achète un bloc de papier où il y a plein de couleurs dedans, de 250 grammes. Mais alors, une couleur toute seule en 250 grammes et un paquet de 200 pages, je veux dire, un paquet de 100 pages, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc, du coup, je me suis rabattue. Les tiroirs font que 260 grammes. Mais finalement, c'est des petits tiroirs pour ce que je vais y mettre dedans. Mais le papier qui est là, c'est du 250. Et ça, j'ai pris du Clairefontaine. Voilà. Pour tout vous dire. Voilà. Et dessus, je vais y mettre un tapis que j'ai commencé à peindre, qui est un carton. J'ai fait une barrière tout autour. Je n'ai pas fini de la faire. Là, je suis en train de faire le sol pour faire de l'herbe. Alors là, vous allez le voir bleu, c'est normal, parce que je l'ai fait en gris, en gris de peine. Voilà. Donc là, je vais mettre mon herbe. Et par-dessus, j'ai oublié les maisons. Et par-dessus, je vais y mettre les décorations qu'il se doit pour Pâques. C'est-à-dire que j'ai choisi d'en mettre 3. Voilà. Alors, je les ai découpées. Parce que dedans, je vais servir des serviettes en papier pour cacher ce que je vais y mettre dedans. Donc, ça va lui donner des couleurs. Voilà. Et les maisons s'ouvrent comme ça. Alors, ces maisons, c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de Ange Coco, qui me sert énormément parce que j'ai fait toutes mes maisons et dedans, il y avait 23 dailles. Donc, je voulais aussi remercier Ange Coco pour son superbe cadeau qui m'a donné l'idée de faire ce petit présentoir pour mes décorations de Pâques. Voilà, j'espère qu'elle regardera la vidéo. Donc, c'est pas fini, je suis en train de travailler dessus. Et j'ai pas trouvé, je voulais de la mousse, vous savez, qu'on saupoudre comme ça, pas trop cher pour pouvoir mettre dessus, mais alors ils vous vendent ça 50 grammes de mousse pour plus de 20 euros. Donc non, je suis pas d'accord. Donc je cherchais autre chose, et en définitive j'ai eu l'idée de faire ça sur du papier vert. J'ai mis ma pâte de structure que j'ai teintée avec le gris de peine. Je vais remettre du vert dessus. Je vais la coller, je vais peindre en vert l'intérieur de mon tapis, là, ça, mon carton. Je vais mettre ça par-dessus.
Je l'ai fait attention de ne pas aller jusqu'au bout pour pouvoir chevaucher mes deux feuilles de papier, mais finalement, j'en ai peut-être pas besoin de les chevaucher. Donc, je verrai ce que je fais. Je mettrai quelque chose là. Et puis voilà. Je vais faire ma décoration de Pâques dessus. Voilà. Mais je suis bien contente d'avoir fait ça. Alors, j'ai le die pour faire les barrières. C'est un die de 6X. Voilà. Timoles, je crois. Je me souviens plus. C'est ça. C'est Timoles. Voilà, c'est ce die-là. Voilà, qui est épais, hein, et qui rentre dans ma machine. Voilà. Et voilà sur quoi je travaille actuellement. Alors, si ça vous intéresse d'avoir le tuto pour faire ça, si ça vous intéresse de le faire, vous me le dites aussi en dessous, et puis je ferai le nécessaire. Mais pour l'instant, parce que moi, il faut que j'en fasse 6, c'est toujours pareil. Moi, tout est multiplié par 6. Donc, celle-ci, elle est faite, mais je vous ferai les gabarits pour... je referai le tuto pour les autres boîtes. Voilà, complète. Voilà ce que je voulais vous dire et vous montrer en même temps. J'ai profité du petit courrier de Bérénice parce que je n'avais pas de... Ouf, je vais mettre ça là-dessus, comme ça on verra pas ce qui est écrit. Le courrier de Bérénice pour vous montrer ça. Parce que c'est vrai que le courrier de Bérénice, ça prend 5 minutes. Et là, je voulais que ça dure quand même un petit peu plus. Que je ne vois pas. Bon, si je mettais mes lunettes, je verrais plus clair. Mais déjà, les lunettes, on va savoir où elles sont. Oui, ça va. Donc, voilà. C'est tout ce que j'aurais à vous montrer. Ces deux choses. La boîte de Pâques et mon petit album. Mon petit album. Je ne sais pas combien de photos il contient. Parce que alors là, j'en ai... Je vais compter. Mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 photos. Donc, 26 plus celles que vous allez pouvoir mettre dans les petites poches. Ça fait une trentaine de photos, quoi, en total. Et je vous parle de 30 photos. C'est pas des petites, c'est des grandes. Hein? C'est un format normal. Voilà. Si ça vous intéresse de faire ce petit album, si ça vous intéresse de faire la boîte, vous me mettez ça en message dessous la vidéo. Je vous remercie. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Si je vais vous montrer mon tableau fini avec les chiens. Je ne l'ai pas encadré encore, hein, mais il est fini. Le voilà. Le voilà. Il est terminé. Il est terminé. Il brille bien. Il brille de tous ses feux. Je suis super ravie. Super contente. J'ai envoyé la photo à mon petit-fils, puisque c'est lui qui l'avait sorti en bleu. Et bien, je trouve que finalement, en bleu, il n'est pas si mal que ça. Voilà. Et il fait la merveille de tout le monde. Donc, je n'ai plus qu'à le vernir. À le vernir, le mettre sur une toile. L'encadrer. Pour le mettre au mur. Alors, si ça se trouve, c'est pas moi qui vais le garder. Mais je le trouvais petit. Mais finalement, ça va. Il y a les deux chiens. Il y a la petite et la grosse. Alors, ça, c'est la petite. Ça, c'est la petite et la petite. Ça, c'est les roses. Voilà. Labrador et la
Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. À la prochaine.